Alors, pour Issa Bakri, allez, si vous avez un peu de temps, ça me dit qu'on entend. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères, chers sœurs, nous remercions cette faveur que Allah nous a offerte ce soir pour essayer de parler de sa part. Et pour plusieurs entre nous, je ne suis pas étranger parce que plusieurs, on a vécu ensemble depuis 2013, 2014, 2015, 2016 et jusqu'à aujourd'hui nous sommes toujours ensemble. Et je remercie Allah pour la présence de mon cher bien-aimé et Mustapha qui a quitté la Côte d'Ivoire pour nous rendre visite ici au Mali. Et nous voulons juste se relancer, juste pour réveiller nos frères musulmans et musulmanes de comprendre notre religion qui est la seule religion de tous les prophètes. Et je sais très bien que le frère Mustapha a touché le point très utile sur l'islam dans la Bible. Et moi je voulais juste essayer de brosser sur le mois que nous sommes en train de traverser, qui est le mois de décembre, que les gens prétendent le 25 décembre, soi-disant la naissance de Issa, fils de Maria. Et je pourrais brosser une fois de plus le 31 décembre, la fête dédiée à Saint-Sylvestre. Et pour terminer, je dois citer avec le 1er janvier, considéré comme nouvel an pour le musulman, les chrétiens, et c'est là qu'ils même adorent pas Dieu. Et je peux vous le confirmer avec beaucoup de précision que le 25 décembre n'est pas la naissance de Issa, fils de Maria. Et je me souviens en 2014 à la radio Dambé, il y avait un prédicateur musulman qui est reconnu dans ce pays qui avait prêché en disant il a poussé le musulman de célébrer le 25 décembre parce que Issa est le prophète des musulmans. Et ce prédicateur disait que lui-même il va fêter, il demandait à tous ses fidèles qui le suivaient de célébrer le 25 décembre la naissance de Issa, fille de Maria. Et à l'époque, on avait fait un défi à la radio Dambé et je les avais demandé que ce soit des prêtres, que ce soit des pasteurs, que ce soit lui-même prédicateur musulman qui prêche cela, de nous prouver dans la Bible un seul verset qui confirme que Issa, fils de Maria, était né le 25 décembre. Allez,
Et cette fête n'est pas biblique, n'est pas mentionnée dans la Bible, c'est une fête satanique et diabolique. Et d'ailleurs, je dois retourner tout petit peu en arrière. Lorsque nous allons accepter de fêter le 25 décembre, comme la naissance de Issa, fille de Mariam, nous croyons au fait de l'anniversaire. Et je peux vous le confirmer avec beaucoup de précision que la fête des anniversaires que vous-même vous fêtez est dans la source satanique et diabolique. Et je dois vous le confirmer que dans l'histoire de l'humanité, la première personne qui a célébré la fête de l'anniversaire, c'était Pharaon. Et la deuxième personne qui a célébré la fête de l'anniversaire, c'était le roi Hérode, un Romain. Et je me rappelle de rapporter par Aïcha Kouradjalawan qui disait ceci, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit que celui qui imite une personne, il ressemble à cette personne. Et tout musulman qui fête sa fête de l'anniversaire, il ressemble à Pharaon, il ressemble à Hérode. Alors, d'où vient le 25 décembre? Le 25 décembre vient des dieux Misra ou les dieux Soleil. C'était l'adoration de sa naissance par les cultures romaines, cultures grecques et les autres qui adoraient le 25 décembre comme les dieux Soleil. En bref, le 25 décembre, si un musulman qui accepte pour dire que c'est la fête des enfants, je dois habiller mon enfant, moi je ne fête pas, aller chercher un coq au poulet pour préparer, ce musulman a rejeté la sourate Ikhlas. Parce que dans la sourate Ikhlas, nous croyons que Dieu n'a pas engendré, il n'a jamais été engendré non plus. Noël veut tout simplement nous faire voir que la naissance de Dieu. Alors tout un musulman qui accepte de fêter le 25 décembre pour ses enfants, il a commis du shirk, il a adoré un autre Dieu en dehors de Allah. Et d'où vient le 31 décembre? Le 31 décembre a été dédié à un prêtre de l'église catholique qui s'appelait le nom de Saint Sylvestre. En
Le prêtre Saint-Sylvestre est né le 31 décembre, il est devenu pape le 31 décembre et il est mort le 31 décembre. Alors, tout un musulman qui accepte de fêter le 31 décembre, il a adoré Saint-Sylvestre. Et quelques de nos frères musulmans disent que non, nous, nous sommes des musulmans, on ne peut pas fêter le 25 décembre, c'est la fête des chrétiens. D'accord, je suis d'accord avec vous. Mais ils disent que nous pouvons fêter le 1er janvier parce que c'est la fête de Nouvel An. Alors ma question est de savoir, Nouvel An, dans quel calendrier? Dans le calendrier de Dieu ou dans le calendrier de Satan? Alors, s'il y a deux frères étudiants, élèves parmi nous, de mamans intellectuelles, allez sur Google, tapez tout simplement Janvier. Lorsque vous allez taper ces mots sur Google, vous allez voir une statue de double face qui doit apparaître. Une face devant, une face derrière. Et la raison pour laquelle vous allez constater que c'est à partir de minuit du 31 décembre que vous allez commencer à entendre les gens jettent leurs trucs en haut, qui sifflent, et les églises sont, les chrétiens sont dans les églises, à partir de minuit, ils commencent la prière. Pour confirmer la face qui est derrière, l'année qu'on vient de passer, la face qui est devant, l'année qu'on vient rentrer. Alors tout un musulman qui se laisse emporter, pour fêter le 1er décembre, il a adoré les dieux Jalia. C'était un dieu romain et que nous sommes en train d'adorer sans le savoir. Alors pour citer, comme l'air nous fait déjà défaut, il est presque 23h moins, et je me résiste à nous faire un rappel que dans l'islam, nous avons deux fêtes. Et si nous pouvons ajouter une troisième fête, c'est la fête du vendredi que nous célébrons notre culte. La première fête, c'est la fête du Ramadan. Et la deuxième fête, c'est la fête des moutons. Et la troisième fête, ça peut être juste notre jour du vendredi que nous adorons notre Allah. En dehors de ces trois fêtes, nous n'avons pas d'autres fêtes en islam. Celui-là qui est obligé d'augmenter d'autres fêtes en islam, il est en train de dire à Allah qu'il avait oublié de les insérer dans le Coran. Il lui dit au prophète qu'il avait oublié de les insérer dans un hadith. Amen.
Ma prière ce soir, qu'Allah nous fortifie afin que nous puissions être des bons croyants et qu'il nous fortifie afin que nous puissions pratiquer sa parole et qu'il nous fortifie afin que nous puissions être dans les droits chemins. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le frère vient de dire un truc qui est très important. Il a parlé de trois fêtes. Tabaski. Tabaski. C'est pour vous dire que dans la Bible, il y a Tabaski. C'est le pas fait. C'est le pas. Le ramadan, ça est dans la Bible. Quand Jésus a eu 30 ans, Dieu lui a demandé de faire le ramadan. Et il a fait 40 jours. C'est après ça il allait en Israël. C'était le ramadan. Dieu a créé l'homme. Dans la Bible, c'est le vendredi qu'il a fait Adam. Donc comme le frère a dit, les trois fêtes là, c'est très important. C'est pour vous dire que ça est dans la Bible. C'est pourquoi j'ai pris pour, vraiment pour témoigner de ça, pour vous dire que ne vous jouez pas avec l'islam. Quand on est chrétien,
nous avons الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ألا تلوم بوالي المدى فشيننا ما أتعاني لي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقف عمين لبغى بلد لكم أنكرم الله من مباركم أمير لوكوية يا ربي ألك أني وسقتي سيغتا لا ننبكا ونود لا كو من تقوى مصطفى الدكتور أعفى ربما كنو حالي مغني Slamé tobe mamenuna nutu gas lame kalama wonyo bonde soro nga onata be ale mogo bakeleni ko bo slamé ala kata galondina la odo Ibrahim Jamal Lolo Alefanako Kumakono Koseli Ba Slamo Bolo Seliba Savai Savana Oye Jumai Chorobana Dasera Mabachili Ako Oluka Donta Dine Kalana Ako Omancha ka ala e don doni mi kalfa uma ofena be ko ode la se nene kuma ba sababe faranya wa nuno ni mi salendo obe ko no de glan ala o ta ala yo fo yo tu bi sarati bele bele do de illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim وأنا التواب الرحيم ها كما كلاو دونغلي دالاو مامنوغا باراي كارما دون لافلي نولو كو كو توبيرا وكا توبي سراتي بلبل دودي ويرا كانيا وكانيا كاكلا كانيا ليفانا كي كاكلا كو نو غلان ويمينشي يدي kasege ko glan kakla ka wala wala like mauye nono bode sira kanta kadao kambe do kuye kalbe ala kanu sabati obe ka dina min nyanyine fana ko fana chama nyanyine ko faro boloka ne ko ibe dallo ta dina tokola awasaleno iki yara demani hadisa sahalon ye korane ayan kofe wala de la kanu deme ala kanu sabati jamana ala ka basgi gela menu me ala ka boda nyimandama ala ambe me korodi choroba ma anga imamu abe doke awe dode we doke hada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh doke Thank you.